Yo les trailers et bienvenue dans cette magnifique ville de Vannes. Seul, sans sac, mais où est Stéphane? En fait j'ai juste oublié ma montre GPS en partant, donc j'ai fait l'aller-retour à la maison pour ça. Donc là j'ai direction le port de Vannes. Si je me perds pas, je pense que je vais aller par là. Ultra marrant, 87 km. Première ultra pour Stéphane, c'est l'objectif de temps. Juste essayer par passion de plaisir et de terminer cette course. Quand j'aborde cette course, bah blessure au genou, donc j'ai pas couru depuis à peu près 4 semaines. Bah voilà, on va y aller vraiment tranquille aujourd'hui. On va choper une navette comme d'hab pour aller à Arzon. Point de départ de cette course de 87 km qui est du coup la moitié du grand raid total. Les 177, nous on fait le raid. Et voilà, bah je vous retrouve du coup avec Stéphane sur le départ des navettes. Donc on est au port de Vannes. Ça va être le finish, on va l'attaquer par là. On va passer sous toutes ces arcades. Passer la ligne. Oh, il a le sourire. On vient de retrouver Stéphane. Je me suis pas perdu dans Vannes. Donc voici Stéphane. Salut. Comment ça va? Bah pour le moment, ça va, le stress monte doucement. Bon là on va choper les navettes et puis bah je sais pas, je pense qu'on se retrouvera à ligne de départ et puis on fera des petits coups. A tout à l'heure, ciao. Ça fera tout le monde. Que j'avais filmé toutes les 30 demi-heures après. 30 demi-heures, tu vas rien dire ça, 30 minutes. Si on va passer un moment dans la nuit, je pense qu'on aura pas trop de cours intéressants. Je vais vous faire profiter du golf maintenant. Bon, je suis pas ce qu'on va là-bas. Là-bas, peut-être là-bas. Une heure de course, 8 km, tranquillement. Stéphane, il a un peu d'inquiétude. Oui, ça part. Bravo les gars. Je sais pas combien de temps. 17,68. Oh bah c'est bien dans le 2h15. On est bien, tranquille, dans les temps. Physiquement, ma jambe tient. Voilà, là physiquement il faut que je fasse ma petite pause syndicale. C'est exactement le kilométrage de mes entraînements. Là on va le faire un peu plus cool je pense. Plutôt à 8,5 que 9,5. Bon bah, la transition veut qu'après le premier à 8 heures soit la pause pipi. Bah alors pause pipi. Ça fasse partie de la vidéo un peu du coup. Ravito numéro 2, 32 km, on va faire vite. Yo. On vient de quitter le ravito des 32. Fait chaud, ça va, un peu d'air quand même. 15 bornes le prochain. Manger un peu pour manger, donc je vais repartir doucement. Ça manque de bière quand même un peu tout ça. Mètre 33 du coup, jusqu'à 88. Ouais, 55 km. Prochain ravito, c'est un point d'eau. Et après, en fait, c'est presque point d'eau, on a 5,6 km pour arriver. Le ravito suivre. Je pense que le point d'eau, on va juste faire Fissa. Et on va se dire qu'on a 22 bornes à faire. Allez. Limite, ça donne envie de s'arrêter pour boire une bière. Je sais, j'en la sauve sur la bière. Le scandale, c'est que les gens ici, ils sont tranquilles. Table de pique-nique, petit barbecue, rosé, bière. Merde, c'est limite malhonnête. J'ai pas raté cette fois. Marathon. Encore un. Hein. Quelques kilomètres. Et on sera à la maison. Bon, je ne sais plus quand est le prochain ravito. C'est pas encore celui-là qui me fera plaisir. C'est celui d'après. Ma carte. Salut Superman. Et en fait, on a mis le parcours.
bravo, 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 bravo. Arrive au point d'eau, après on envoie du bois jusqu'à Saint-Viriste où on aura dignement le droit de faire une belle pause d'une demi-heure et de se changer et de... Ouf, toutes les choses que j'avais parce que je suis un peu tout trempé. Là où ça signifie une chose sur YouTube. On va pouvoir manger des sandwichs de poulet. Plus de 35 km. Bon, on s'est changé là. Tout sec, ça fait du bien. Le soleil se couche. Bon, tout de suite. Prochain ravito dans 13-8. On va essayer de caler une demi, une heure et demie. Ça commence à tirer sur les cuisses. Et ça, c'est pas ce que je cours trop vite. C'est mal. La nuit va tomber. Du coup, plus grand chose à filmer. Je sais pas si on aura encore beaucoup du coup. Cette vidéo. Donc, déjà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure. On va tout coucher de soleil. Moi, j'aurais du coup à pleuvoir, je veux dire. On aura tous magnifique coucher de soleil sur la baie. C'est bête. Ça y est, Frontal a fait son entrée. 7h38 de course et on a 61 km. En plus, il n'y a plus personne. Ah si, il y a de la lumière dehors. Donc il n'y avait personne en fait parce que c'était pas le bon chemin. Un ravito de plus et 14 bornes en 1h25. Plutôt propre. Cool. L'heure de la soupe. Oh, ça va commencer à se faire douloureux. Ouais. Ah, les cuisses. Yo les trailers, et voilà, vous êtes quitté le ravito numéro 5. Bien mangé, bonne soupe bien chaude, ça chauffe le cœur, tout ça. La nuit est bien tombée, beau ciel étoilé. Il reste 20-21 km. Alors, je vous propose de partir dans un défi fou, de se dire qu'on va les faire en 2 heures. Alors, soit j'explose en vol, ou soit ça le fait grave. Eh bah écoutez, on a un point d'eau dans 8 bornes. Je vais assurer ma consommation. Là, si je m'arrête ou pas. Et voilà, on va pas faire de conneries non plus. Allez, à plus. Ça s'entend peut-être avec le vent, mais ça se voit pas. On a rejoint le golf, on voit la mer, on s'enyode. Donc, on vient de passer le point d'eau, il est 9h11. Normalement, il reste 13 bornes, 1h20. S'accrocher, mais c'est bien dur là. Je marche un petit peu, je pense que je ferai pas à 10h30 de course, un poil plus, on va essayer de rester à 35. J'aurai besoin de vos encouragements en mort là parce que faut pas que j'explose. Allez go. Alors théoriquement sur le papier il reste 1h et 35, 1h ça doit le faire, faut qu'on finisse tout ça quoi. Merci. Allez, courage, allez. Merci Zach. Je sais pas quelle heure il est. Au moins minuit. Encore même 1h qu'il y a encore des gens qui vous encouragent. Excellent. Allez, bravo. Je suis presque dans les temps. Mais il faut pas que je relâche. Et là, je vous avoue que c'est la guerre psycho. Allez, 3 km, sac. À 10 de moyenne, 3 fois 6, 18 et 3, 21 minutes. Ça va faire... 10h32. Là on s'arrêtera pas pour lire les BD. Si. Et là, et on a le tour. Bad. Allez, 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 allez. Bravo, allez. Putain, il est 29. Allez, on arrive à 30. On arrive à 30. Allez. Allez, avant 30. Oh.
7h26, 10h26. Et j'ai réussi à faire mon speed. Pas longtemps. Oh putain. Voilà, ça continue de rentrer. C'est maintenant. C'est l'heure de la cantine. En zip là ici. Il va falloir faire la photo officielle. C'est l'heure du chambre pâte. Bon, je suis repu. Stéphane est sur le chemin tranquillement. Bon, j'allais me coucher, il m'appelle 5 km avant l'arrivée. Ça, on ira le voir tranquillement. Donc, la nuit va être très courte. Et le point, c'est voilà, quand j'ai quitté Stéphane au kilomètre 25, on était à peu près 7 de moyenne. Et là, j'ai fini la course à peu près 8,3 de moyenne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en voyais quasiment à 10 de moyenne sur toutes les sections entre ravitaux. Et je me suis pas trop arrêté sur les ravitaux et j'ai finalement quand même réussi à faire mes dernières en temps voulu. Bravo! Là j'ai extrêmement mal aux cuisses. Je vais aller m'étirer un petit peu et après je vais rentrer à la maison. Ce sera très bien. Bon, je vous souhaite une très bonne nuit, la mienne va être excellente. Et puis je vous dis à très bientôt sur un prochain trail. Et n'oubliez pas que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Même si ça fait mal. Allez, ciao les trails. Bye. Bravo. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire.